Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alain Puget, du studio Alchemy, mais également de Moguri et de Medoc, et nous allons parler du jeu Drift Inlands en cours de développement, un mélange entre le shoot 'em up et le hack and slash. Bienvenue dans Extra Life. Alors Alain, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le jeu vidéo avant qu'on attaque le vif du sujet, Drift Inlands. J'ai 38 ans, je suis venu assez tardivement au jeu vidéo, il y a une douzaine d'années. Avant, j'ai fait des études de pharmacie, de chimie, et j'ai monté une première boîte avec des potes pour me lancer dans le jeu vidéo. On ne savait pas faire grand-chose, on a appris sur le tas, on a pas mal galéré. Bon, les choses ont fait que j'ai quitté cette structure. J'ai été pendant un temps salarié, et puis j'ai remonté ma société, donc Alchemy, il y a presque 5 ans maintenant, 4 ans et demi, 5 ans. Et puis voilà, là on a commencé à vraiment sortir un premier jeu il y a 2 ans, et on travaille sur notre deuxième jeu actuellement, Drift Inlands. Alors ce premier jeu, c'est Transcripted, donc qui est un mélange entre le shoot et le match 3, qui est sorti sur PC. Et donc là, aujourd'hui, on ne peut pas y jouer, on ne peut pas y accéder sur Steam, parce que vous avez des petits problèmes juridiques avec l'éditeur. c'est un gros problème juridique. Est-ce que tu veux en parler très brièvement, expliquer un petit peu la situation, et ensuite on passe au futur, enfin plutôt au présent, Drift Inlands. Voilà, le jeu est sorti en septembre 2012, et puis, comme tu l'as dit, problème avec l'éditeur, mésentente, demande de l'éditeur qui nous paraissait injustifié, refus de notre part, non-respect du contrat, et puis silence radio, aucune nouvelle, aucune rentrée, aucun... Pas d'argent, pas de chiffre de vente, rien. Aucune idée de combien de copies du jeu se sont vendues, aucun bénéfice, aucun depuis la sortie du jeu, rien. Et voilà, donc le procès lui-même, enfin l'affaire devant les tribunaux a commencé en février 2013 et suit son cours. Ok. Bon, bon courage pour ça en tout cas. On va passer maintenant à Drift Inlands. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du jeu? Alors, Drift Inlands, puisque c'est encore un mashup comme notre premier jeu, ce serait un peu le fils illégitime entre Diablo et R-Type, si on veut faire les choses de façon très concise. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de mélanger les codes du shmup classique et du hack and slash, du hack and slash moderne. En gros, on prend un shmup, on en extrait en fait une grosse partie de l'autofire classique qui d'habitude constitue l'essentiel de l'action pour désinguer les ennemis, et on remplace ça par l'utilisation de skills, de pouvoirs, de compétences à la façon d'un Diablo, d'un Path of Exile, avec tout ce que ça implique de gestion des ressources, de l'énergie, des cooldowns, voilà, de la création de son build en fonction de son équipement, du crafting d'objets, enfin voilà. Okay. Alors là, tu viens juste de, donc, d'éveiller la curiosité. Et puis, le à kiff, crafting d'objets, il y a une petite étincelle. Non mais c'était surtout à Path of Exile. Ah oui, tu te souviens. Parce que là, t'as un die-hard fan de... Mais alors donc, ok, donc c'est original comme mélange, et d'ailleurs le jeu précédent sur lequel vous avez eu des problèmes, tout ça, c'était également un mélange entre du shoot et du match 3, donc vous avez un truc particulier avec le shoot, manifestement. Ouais, j'aime ça, j'aime m'en faire, j'aime y jouer, c'est un genre qui nous plaît bien, sur lequel on peut s'exprimer visuellement, faire des choses sympas, qui est accessible à une petite équipe, une petite structure comme la nôtre. On part pas dans des décors de FPS hyper compliqués. Enfin, voilà. On aime bien mélanger 3D et 2D, donc les scrolling, les scrolling horizontaux. Voilà, et d'ailleurs, on a pu voir ça parce que vous avez lâché un petit trailer. Une première vidéo. Une première vidéo, donc c'est vraiment le début de l'alpha, du commencement de... Enfin, ce qu'on voit, c'est une version. C'est pas du tout une version définitive. Du tout. Mais ça nous permet de. D'ailleurs, il n'y a pas trop l'aspect loot. Oui. Enfin, tu vois quand même des chiffres. Ouais. Donc, qui j'imagine. Le premier petit code du. Voilà, donc c'est les dégâts. J'imagine. Slash, oui, ok, ça. Donc ça c'est bien ça. Tu vois, ça c'est bien parce que tu vois les petits dégâts à chaque tir, tu vois les petits dégâts. Là, à l'heure actuelle, on a déjà un peu plus en fait. On a les premières skills, on a les premiers drops de gold qui apparaissent à l'écran. On a déjà ces premières choses. D'accord. Et donc, j'ai pu lire donc, ce que vous empruntez au Hack'n'Slash. Donc, il y a évidemment le loot.
Mais donc de la classe différente de pilote, ouais, alors derrière de la customisation de vaisseau. Ouais, la classe en fait aura un rôle peut-être même encore plus majeur que dans un Can Slash classique, où ça définit un peu le type de pouvoir qu'on a, le type d'équipement auquel on a accès, les stats principales. Dans Drifting Lance, le choix de la classe, en plus de ces choses-là, aura un impact assez profond sur le gameplay. L'idée, c'est pas seulement de s'adresser à l'intersection des fans de shmup et des fans de hack and slash, mais de vraiment d'essayer de toucher les deux groupes dans leur ensemble. Ce qui fait qu'au départ, en tout cas dans le concept de base du jeu, ça évoluera peut-être, mais il y a trois classes de prévues. Une très avec des engins très très fragiles, mais très très puissants, donc qui auront un feeling peut-être, un gameplay plus proche du shoot'em up. Avec que t'es mort immédiatement, c'est ouais, ça, c'est ça ouais. Okay. Enfin, très rapide en tout ouais, cas. Okay. Avec, on profitera un peu de l'utilisation correcte des skills et d'une customisation intelligente de son inventaire, mais où ne brilleront que les joueurs doués au shmup. À l'extrême opposé, on aura une classe beaucoup plus résistante, peut-être un peu moins puissante en termes de DPS, qui s'adresseront plus, enfin qui parleront peut-être plus aux fans de shmup qui aiment bien les gameplays un peu plus calmes, un peu plus posés, plus axés sur la gestion des flux de ressources, de la gestion des cooldowns, où là, le theory crafting, le choix des skills, le choix des passifs, la customisation de son inventaire auront un rôle beaucoup plus important, même s'il y aura toujours un peu de skill. Parce que l'idée, c'est vraiment d'apporter au hack and slash une implication, une action un petit peu plus intense quand même que ce qu'on peut avoir dans un hack and slash sur lequel, quand on a un personnage bien stuffé, on a tendance à rouler un peu sur le jeu sans réfléchir. Ouais. Donc l'idée, c'est d'aller quand même un peu plus loin, même pour la partie hack and slash là-dedans. Et puis une classe intermédiaire qui s'adresse peut-être aux joueurs plus comme moi qui sont très très amateurs de shoot'em up. Mais je suis pas un super player, je n'arrive pas à terminer Ikaruga en mode difficile, en one life. Tu fais pas partie de ces gens quand il y a des rideaux de balles, tu te déplaces. Non, t'as un pixel ou deux. Non. Voilà, non, c'est voilà. Voilà. Et voilà, notre ambition, c'est d'arriver à plaire aux gens qui sont un peu comme nous, moi et mes collègues au milieu, et aussi de parler aux gens qui sont vraiment dans ces deux catégories, et d'arriver à réunir tout le monde dans un seul jeu. Okay. Et donc du coup, tu parlais justement de tes collègues, du fait que vous êtes une petite structure. Vous êtes combien exactement, Alchemy? Et Alchemy est situé où? Nous sommes basés à Nantes. Nous sommes quatre, moi y compris. Vous séparez comment un petit peu les tâches? Toi, vous êtes un peu tous multicasquettes ou Alors, on est deux. Enfin, par la force des choses, ouais. Dans un studio indépendant, très très souvent, les gens sont multicasquettes. On est trois graphistes développeurs à des degrés un peu différents. Moi, je suis 50-50. Mm-hmm. Je fais la direction artistique du projet, un tout petit peu de graphisme, et pas mal de développement et de level design. J'ai un collègue qui est plus graphiste, qui en développement fait juste du scripting, mm-hmm. qui utilise les outils faits par les autres pour faire du LD. Mm-hmm. Un autre collègue graphiste qui est plus développeur, qui est un profil vraiment de technical artist, donc qui va vraiment coder la partie visuelle et la création des outils, des outils de production graphique. Mm-hmm. Et enfin, un troisième qui est développeur, mais développeur touche à tout. Donc lui aussi est multicasquette dans le sens où il touche dans pas mal de domaines du développement. D'accord. Moguri, là, juste avant de tourner cet Extra Life, on avait abordé quelques problématiques liées au mélange de ces deux genres, le hack and slash et le shoot'em up. Et on s'est posé la question justement au niveau des environnements. Les environnements dans un shoot, c'est plutôt dépouillé et c'est également souvent plutôt fixe, prédéterminé. Tu parlais de level design tout à l'heure. Comment vous avez... Du coup, vas-y, pose la question. En fait, je suis en train de tout voler. Désolé. Tu vois, ce qui fait l'intérêt d'un hack and slash sur le long terme, c'est vraiment le fait que ce soit le domaine de l'aléatoire, y compris au niveau donc, de l'architecture, des niveaux, eux-mêmes des ennemis et tout ça, qui ont des affixes, c'est des mécaniques qu'on connaît bien. Et donc, je me demandais comment vous allez répercuter ça dans un jeu qui a quand même le squelette d'un shoot. C'est-à-dire que ce que je vois comme variation possible, c'est les patterns ennemis, etc. Mmh. Comment vous comptez arriver à rendre le jeu... Alors, le jeu, effectivement, a pour ambition d'avoir la même durée de vie que tout hack and slash, c'est-à-dire quasiment infini, ouais. Potentiellement, quand on accroche. Quoi. Donc, c'est l'un des principaux problèmes de développement du jeu, parce que les problèmes techniques sont assez simples à aborder. On a l'expérience du développement de shoot'em up, il n'y a pas de souci.
Le level design et la génération aléatoire ou pseudo-aléatoire du contenu, c'est l'une des plus grosses embûches sur lesquelles on travaille. Donc l'idée aujourd'hui, c'est en fait de générer des niveaux qui vont être constitués de blocs. En fait, comme dans Diablo, de la même façon que les donjons sont constitués de blocs prédéfinis et agencés de façon aléatoire, il y aura très certainement cette technique-là qui sera utilisée. À l'intérieur de ces blocs, on aura des variations sur les ennemis, avec les vagues d'ennemis seraient les mêmes, mais remplacées par des types de vaisseaux différents, avec des pouvoirs différents, des patterns de tir différents. Il y aura des zones avec des ennemis qui généreront plus de dégâts, ou qui auront plus de résistance, des résistantes à certains types de dégâts. Et donc il y a effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on attendra des retours de la communauté et des joueurs de Hack and Slash et des joueurs de shmup. Je sais que les joueurs de shmup ont une grosse tendance pour les gros joueurs à apprendre par cœur. Oui, c'est ça. Il faut qu'on arrive à déterminer si on va pas trop loin dans l'aléatoire pour empêcher ces joueurs-là de pratiquer leur art, en quelque sorte. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre de la génération aléatoire pour que le joueur n'ait pas l'impression de faire sans arrêt le même niveau, mais tout de même pas trop d'aléatoire peut-être pour que les joueurs de shmup classiques puissent mémoriser des segments de niveau, les reconnaître sans que ce soit évident qu'on les annonce, ouais, mais ça peut être facile, mais ouais. Mais c'est une mission complètement chaude, je veux dire de mélanger ces deux genres. Avec l'un qui s'apprécie justement dans le par cœur, j'ai l'impression pour les Danmaku et compagnie, bon bah tu connais les patterns et puis tu fais ton skill, mais tu connais les choses et c'est là-dedans que tu peux apprécier, et l'autre qui délivre toute sa puissance avec de l'aléatoire. Oui, effectivement, il va y avoir un taf d'équilibre à faire. Il y a du taf et il y a de l'échange à avoir avec les joueurs. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on cherche à le plus vite possible là, dans les mois qui viennent, avoir des versions jouables, pas forcément pour présenter le jeu dans son ensemble avec une gestion d'inventaire, une gestion des builds, et puis un quelconque développement scénaristique. Le but c'est de pouvoir présenter des runs soit fixes, soit générés justement pseudo-aléatoirement, enfin en partie aléatoirement. De voir comment les joueurs arrivent à s'adapter dessus, ce qu'ils arrivent à anticiper, sachant que la chose qui est importante de bien voir, c'est que même pour les classes de vaisseaux qui seront orientées très 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 shmup, il y aura accès à des skills qui changeront quand même radicalement le gameplay par rapport à un shmup classique. C'est-à-dire que là où dans un shmup, je ne veux pas généraliser, mais dans la plupart, on a l'autofire et puis 2-3 mégabombes de temps en temps qui traînent. Mais en général, ça s'arrête là, à part quelques exceptions près, effectivement, de shmup qui possèdent une pléthore d'armes. Sorti de la géométrie du tir principal, on n'a pas grand-chose. Dans notre jeu, quoi qu'il arrive, il y aura un certain nombre de skills embarqués qui permettront aux joueurs les plus doués de la plupart du temps gérer avec leur adresse naturelle. Et le jour où il y a un truc qui se passe qui n'était pas prévu, là ils utilisent la skill qui donne une seconde et demie d'invulnérabilité aux boulettes, qui consomme la moitié de la barre d'énergie, et qui a un cooldown de 10-15 secondes, ce qui fait que si 10-15 secondes après quelque chose du même genre se reproduit, ils peuvent recommencer. Mais on peut faire confiance à ces joueurs-là pour que ça n'arrive pas plus souvent qu'à cette fréquence-là. D'accord. Et voilà, et donc on a prévu vraiment énormément de skills, des boucliers d'invulnérabilité, des dashs pour passer au travers de certaines patterns ou éviter certains ennemis. Donc c'est là qu'on va vraiment greffer toute une partie du hack and slash. Tu parlais de bêta justement, comment ça se passait exactement? Est-ce que ça va être une bêta ouverte au public? Est-ce que tu vas choisir un petit panel de joueurs? Est-ce que tu as déjà une communauté avec laquelle tu travailles? Alors, non, on n'a pas de communauté, mis à part notre communauté d'amis. Ouais. On va travailler à créer cette communauté. On veut en fait proposer le plus rapidement possible des démos. Alors on peut pas vraiment parler de démos parce que le jeu ne sera pas complet, mais des prototypes de cette partie shooter pour voir comment les gens, les fans des différents genres la reçoivent et puis espérer des retours. Ce sera probablement public. Après, il va falloir qu'on détermine le moyen de distribution. J'avais un collègue qui pensait qu'on pourrait faire ça avec des torrents pour essayer de faire ça facilement. Et donc, voilà, on va,
On travaille à ça. D'accord. Est-ce que tu as une date, enfin en tout cas une fenêtre de tir pour l'accessibilité à cette bêta ? Je sais que le jeu est prévu pour, on va dire, courant 2015. Ouais. Et donc l'idée, d'après ce que j'ai compris, c'est d'avoir une version quasi commerciale début 2015. Et donc j'imagine que la bêta devra arriver dans quelques mois peut-être. Alors, c'est les premiers protos en tout cas. Ouais, les premiers protos, j'espère, au début de l'été. Ouais. Et puis les premières bêtas vraiment, avec le plus de contenu, le méta-jeu qu'il y a autour de la progression du personnage et des vaisseaux, plutôt octobre, novembre, fin de l'année. Okay. Voilà quoi. Alors j'avais, pardon, vas-y. Mais ce sera peut-être la même question. Je suis sûr que non, mais j'ai bien envie de parier là-dessus. Non, pose la tienne. Non, parce que tu parlais justement de méta-jeu entre guillemets, etc. Et sur le site donc du jeu, est évoqué la possibilité d'avoir des fonctions online mais asynchrones entre guillemets. Est-ce que tu as des exemples? Parce que le jeu est pensé pour du solo. Ouais, donc, pour du solo. Dimension multi. Il y a pas dans la version de base. Il faut voir que si on a choisi ce projet-là aussi, c'est pour la possibilité qui nous est offerte avec ce genre de faire quelque chose un peu à tiroir. Ouais. C'est-à-dire qu'on aura la version que je vise pour début 2015, c'est un jeu avec un contenu voilà, de trois classes, un certain nombre de skills, de niveaux, d'environnement, d'ennemis. Et si le jeu a ne serait-ce qu'un peu de succès, l'idée c'est de le faire évoluer pour à la Path of Exile rajouter du contenu justement et l'enrichir au fur et à mesure. En général, qui dit ambition limitée, dans notre cas dit jeu solo. Aujourd'hui, on se sent pas à l'équipe qu'on est de faire un jeu multi qui en plus est toute l'ampleur graphique qu'on attend et tout le contenu qu'on veut mettre. Par contre, on a complètement des idées de création effectivement de fonctionnalités communautaires asynchrones. J'ai plusieurs exemples. Le fait de pouvoir avoir des amis ou un groupe, de faire partie d'un groupe de joueurs qui, s'ils enchaînent dans une certaine fenêtre de temps réel des missions, permettent à chacun des membres du groupe d'accéder à d'autres missions qui ne sont accessibles que s'ils le font dans un temps donné. D'autres éléments plus à l'échelle de la communauté. Une des idées qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais bien pouvoir tester dans un jeu vidéo, ce serait de faire évoluer en fait les stats globales du jeu, la représentation des ennemis, des différents obstacles dans le jeu, en fonction de statistiques de la communauté. C'est-à-dire que plus les joueurs utiliseraient tel ou tel pouvoir qui s'avérerait trop puissant, déséquilibré, modifier globalement le jeu pour répondre comme si l'environnement s'adaptait à cet usage et donc forcer les joueurs sur le long terme à étudier justement les fluctuations du jeu en fonction de ce que les gens, de ce que la communauté globale fait pour se réadapter et retrouver la nouvelle meilleure façon de faire suite à cette évolution. Des choses dans ce genre-là qui ne nécessitent pas de développement de serveurs temps réel, coûteux, de gestion de joueurs, avec la gestion du lag, très compliqué pour un shooter. C'était la même question alors ? Ah, mais attends, c'était une question à tiroir. Oui, c'est ça. C'est que, est-ce que on peut imaginer aussi un système d'échange ? Enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la hack and slash entre joueurs, de circulation d'argent et de loot. Alors, ça, j'avoue qu'à titre personnel... Un hôtel des ventes, par exemple. Ah, c'est... Non, mais c'était ma blague d'après. L'hôtel des ventes en argent réel, c'est pas gentil. Pour l'annuler, évidemment, 3 ans après, en disant « Désolé, c'était une bêtise voilà. ». Moi, je pense qu'on va l'annuler tout de suite. Ouais, ouais c'est du temps gagné. En tout cas, pour l'hôtel des ventes. Après, l'échange entre joueurs, c'est une fonctionnalité qui pourrait apparaître, justement, dans ces fameuses évolutions. D'accord. Un peu plus compliqué à développer pour faire quelque chose d'un peu sécurisé, un peu carré quoi. Ouais. Donc c'est du domaine du possible, c'est pas prévu dans le concept de base. Ouais, c'est pas une priorité. Alors moi ma question elle avait rien à voir, c'était donc tu vois, c'était compte tenu de cette expérience un petit peu merdique que vous avez eue avec un éditeur auparavant. Et même du genre même du jeu qui s'adresse quand même aux connoisseurs ou à ceux qui sont un petit peu impliqués dans le jeu vidéo. Est-ce qu'à un moment donné, et puis même, et l'environnement actuel, est-ce qu'à un moment donné vous avez pensé à passer par du financement participatif pour ça ? Alors on y a pensé, on continue d'y penser.
Mais le financement participatif, il faut bien voir que, mis à part quelques succès stories qui font rêver, l'essentiel des gens qui le tentent vont dans le mur. Donc ça se prépare. Ça n'a pas tellement de sens en fait de se lancer là-dedans sans avoir une communauté au préalable. Petit studio que nous sommes, avec un seul jeu à notre actif, qui a les problèmes qu'il a, donc qui fait qu'il a une diffusion assez limitée. On n'est pas suffisamment connu ni reconnu par suffisamment de joueurs pour pouvoir espérer avoir une adhésion massive et rapide qui est nécessaire pour que les projets de crowdfunding marchent. Donc aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais on y pense. Et donc c'est un des objectifs possibles de la création d'une communauté, même si le retour des joueurs sur nos premiers prototypes est plus important. Ça pourra arriver justement. On sait qu'avec la façon dont on fonctionne, notre capacité d'autofinancement, on peut faire le projet minimal dont je parlais tout à l'heure. Si crowdfunding il devait y avoir, ce serait justement pour avoir une version plus étendue, avec peut-être justement plus d'aspects multiplayer, de l'échange peut-être, plus de contenu. Okay. Voilà. D'accord. Vous passeriez directement aux stretch goals, quoi. Le jeu il serait là, ouais, et puis ça serait. Probablement. Okay. Très bien. Bon, on espère qu'à notre échelle, en tout cas, on va participer à faire connaître le projet Drifting Lands. Moi, j'avais une dernière question. Donc, tu parlais de loot, etc. Donc, qui dit loot, quand même un peu Diablo et tous les jeux de ce type-là, on imagine des armes légendaires, genre exceptionnelles, ultra rares, etc. Est-ce que tu as déjà en tête quelques armes légendaires, des trucs mais qui tuent, genre un petit indice sur une arme genre, dont tu es particulièrement fier, par exemple, qui pourrait être éventuellement une référence à un autre jeu, ou je sais pas, moi je pars dans le... Non, on n'en est pas encore là dans le level design de l'écriture. Par contre, les armes légendaires, il y a une composante aussi du jeu qui sera un peu particulière peut-être par rapport au Hack and Slash, c'est que à la façon d'un Rogue Legacy, peut-être, il y aura des éléments de permadeath où en fait le pilote ne mourra pas, mais l'engin sera perdu. D'accord. Ce qui fait que les objets légendaires et uniques seront vraiment assez rares. Ok, ouais, je vois tout à fait. Ouais. Ouh, ça va pas être facile du coup. Ouais, donc on a hâte. On a hâte de pouvoir l'essayer. Donc on espère que la bêta va apparaître très 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 prochainement. Tu parlais de début de l'été, donc on sera là pour surveiller ça. On en reparlera évidemment dans 101%. On te remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.